Au département, c'est la ministre qui donne le ton. Le but de cette opération de biométrisation vise la maîtrise de l'effectif du ministère de l'Enseignement supérieur. Elle concerne pour le moment les services centraux et va s'étendre jusqu'au samedi prochain en attendant le retour de ceux qui sont en congé. À la fin du recensement, c'est d'abord de connaître l'effectif global de notre département, de connaître les cas d'abandon, de décès, afin que nous puissions soumettre et transmettre tout notre fichier complètement assaini au ministère du Travail et de la Fonction publique. C'est la finalité même de cette opération. Le dernier recensement biométrique du ministère remonte en 2019. Difficile de dire le nombre de personnels qui y travaillent à ce jour. C'est le but même de l'opération, de savoir combien nous avons dans nos services au niveau de l'enseignement supérieur. Et personne à ce jour, à date, ne peut vous dire exactement quel est l'effectif global du personnel du ministère. Ça tourne autour de 5 000, y compris les contractuels et les fonctionnaires. L'opération avait déjà commencé par les étudiants boursiers qui vont à l'étranger. Les autres étudiants basés au pays devront suivre à la rentrée prochaine dans les différents campus universitaires. Les gels intimes sont des produits qui sont utilisés par les femmes pour leur toilette intime. Ils sont pour la plupart utilisés sans aucune prescription médicale. Comme tout autre produit, les gels intimes comportent des risques liés à l'excès dans l'utilisation. D'abord, c'est une solution de toilette que les femmes doivent utiliser. Parce qu'il y a ces femmes qui peuvent introduire en profondeur les solutions de toilette, et ce qui n'est pas bien. Parce qu'il faut savoir d'abord que le vagin s'auto-nettoie. Donc à chaque fois, enfoncer la main dans le vagin peut détruire ce qu'on appelle la flore vaginale. Pour cette gynécologue, il est important de se faire consulter par un médecin ou faire des recherches sur le produit avant d'utiliser. Si toutefois les femmes veulent vraiment utiliser les gels intimes, il serait nécessaire non seulement de consulter leur pharmacien, parce qu'il y a ces pharmaciens qui sont aussi brillants sur l'utilisation de ces gels intimes, ou venir consulter leur gynécologue, leur dire, expliciter de fond en compte réellement comment il faut les utiliser. La meilleure utilisation de ces produits mérite d'être connue pour ne pas se nuire. Comme l'explique Aïssata Doumbouya. Il faut faire un nettoyage très doux de la vulve et les lèvres, surtout. Et après ce lavage très doux, il faut faire un séchage soigneux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas utiliser n'importe comment ce gel intime. C'est ce qui est recommandé. Il faut l'utiliser une à deux fois par jour au maximum. Les produits chimiques ont généralement des inconvénients. Il est impératif de faire attention dans l'utilisation de tout produit contenant ces substances.